Je vous avais promis une surprise dans Mélodie 90. Regardez, on est ravis d'accueillir Indra. Bonjour. Hello, Indra. Bonjour. Comment vas-tu? Oui. On va tutoyer. Oui, bon, quand même, quoi. Sympa. Quand même. Ah, alors, oui. On est ravis de te retrouver ici sur le plateau de Mélodie 90. Et je vais te dire pourquoi. Parce que tu as été sollicité par les internautes, en fait. Ah, oui. Sur Facebook, hein, les internautes peuvent se connecter. Je vous le dis souvent, de solliciter des clips ou des invités. Et Indra, revenez. Donc, c'est vrai. On est ravis d'accueillir la charmante Indra. Ça m'a fait très plaisir. C'est vrai? Très plaisir. Bien évidemment. Ah, bah, nous aussi. Parce que on les années 90. Cracher dans la soupe. Non, puis il y en a eu des tubes. Hein. Bah, oui. Il y en a eu des tubes. Let's Go Crazy. Misery. Temptation. Temptation. Give Me What's Real. Rescue Me. Tout à fait. Hein, bravo. Voilà. Bravo. Voilà, parmi d'autres titres peut-être moins connus, mais qui ont été dans mes albums. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Nous, on va revoir Misery dans un instant. Ah. Alors, je crois qu'à l'époque, tu as été découverte par un monsieur qui s'appelle Paul Téclé. Voilà, Paul Téclé. Tout à fait, c'est mon père spirituel. Voilà. Et voilà, lui, il m'a amené chez Orlando, on avait besoin d'une une maison disque. Oui. Et Orlando, par la suite, m'a mis à l'époque chez Carrère, qui était le distributeur. Oui. Et voilà, ça crée le buzz, bien la sûr, sauce, parce que c'est, finalement, c'est l'équipe qui fait l'artiste aussi. C'est pas seulement l'artiste, c'est aussi tout autour. Bon endroit, bonne musique, au bon moment. Évidemment. Et le clip d'ailleurs, Misery, qu'on va voir, on l'avait tourné à la Plaine Saint-Denis, oui, à Paris. Oui. Mais les gens, à l'époque, parce que c'était, l'image était superbe pour l'époque, ils pensaient qu'on avait été aux États-Unis, au Bronx. C'est vrai que ça fait très banlieue américaine. Ça fait très américain, très New York. Ouais. Voilà. Alors que ça a été fait à la Plaine Saint-Denis. Ouais, tout simplement, oui. Oui, oui, oui. Orlando, donc je précise pour les téléspectateurs, mais enfin, c'est le frère de Dalida. Mm-hmm. Et puis à l'époque, je crois, alors. C'était quand même un vrai phénomène, dance, hein, c'était le début du courant dance, ouais, dans les clubs et en radio, petit à petit. Et puis tu as fait les premières parties quand même de Prince. Ah oui, alors un de mes meilleurs souvenirs, c'est les premières parties de Prince à Bercy. Oui. C'était pas prévu en fait cette histoire, parce que la veille, il y avait déjà un premier parti, mm-hmm, mais qui a été hué, il avait des tomates qui ont été jetées dessus, voilà, tout ça. Ah. On m'avait appelé le matin pour le soir. Et moi, je croyais que c'était une blague. Je pensais que c'était caméra cachée. Oui, oui. Ils avaient du mal à me convaincre. Surtout Prince, évidemment, c'est et clair. Et le soir, on n'avait pas de live, rien. Donc, alors, les danseurs, vite. Une chorégraphie, il fallait que ça dure 20 minutes précis. Mm-hmm. Parce que les Américains sont très, très précis avec tout ce qui est horaire et horloge, minutage. Oui, c'est très carré, quoi. Et j'avais peur aussi d'être le premier parti. Alors, si la veille, le premier parti se faisait jeter, alors comment je vais faire? Alors, ah oui, parce qu'on flippe, c'est ça. Mais on bien dit, sûr, vu que ça n'a pas été accueilli avec joie, on a peur, quoi. Alors, j'ai trouvé l'astuce. Parce que les Américains voulaient absolument que mon entourage me présente en anglais. Mm-hmm. Et personne dans mon entourage voulait me présenter parce qu'il parle très mal anglais, hein, mon entourage. Alors je lui ai dit, alors, give me the mic. Alors, j'ai pris le micro, j'ai monté sur scène. J'ai dit, bonsoir tout le monde, c'est Prince qui m'a envoyé ici. Oh là là. Alors il ne vient pas sur scène, il ne monte pas sur le plateau devant vous si vous ne chantez pas toutes mes chansons, mais à cœur. Chauffer le public déjà, voilà, quoi, voilà, d'entrée de jeu. Il fait beaucoup de bruit, j'avais l'impression que je vivais mes instants de Bercy pour c'est moi, c'était top. Bien et sûr. Voilà, c'est un succès. Surtout pour une jeune Suédoise à l'époque qui débarque en France et qui suit son petit ami. En fait, l'histoire, c'est ça. Ah oui, hein? Voilà, c'est un peu classique, ce genre de choses dont on parle dans ce autre pays. Mais oui, c'est encore un très bon ami. Il figure dans le clip Temptation, d'ailleurs. Oui, d'accord. Ouais. Alors, nous, on va revoir Misery. Hein. Ouais. Donc, on est ravis d'accueillir Indra et aussi de revoir ce clip. C'est la première fois qu'on évoque Indra dans Mélodie 90. Ah. Alors, on regarde le clip de Misery, puis juste après, on parle de l'actu parce que, évidemment, il y a une actualité. On en reparle dans un instant. OK, c'est parti. That without you, I got this way you make me move, that you make me feel. Well, Andrew, what you talking about? Knockout. I'm not the one, how do you see?
what I'm saying. I don't wanna stop you, get you down on your knees, pray. Misery in your house is a stain. Voilà. Ça c'est des souvenirs quand même. Moi j'adore. Tu sais, moi j'étais grand comme ça. Hein. Je dansais sur tes titres, pas encore en club, hein, mais dans les balles et dans les soirées, dans les booms à l'époque. Ah oui, dans les booms. Ah ouais, bien sûr. Alors ça cette chanson, pas tout ça, mais en plus, c'est la vie. Ah oui, mais c'est comme ça. Mais moi non plus. Vie, hein. Qu'est-ce que tu crois, j'ai grandi aussi. Oui. Hein. Et ça nous permet de nous rencontrer en plus. Bien sûr. Non, je voulais évoquer Walter Taïeb puisque cette chanson, en fait. A été, tu vas m'expliquer un petit peu, mais il y est pour quelque chose, Walter Taïeb, sur alors, ce titre. Il avait travaillé avec Roselyne Clark. Il avait fait les tubes, parce que Roselyne Clark, elle avait un succès avant moi, bien dans sûr, la dance music. Avec Eddie Steadygo. Walter Taïeb qui a fait ses tubes. Mm-hmm. Il a son nom d'artiste, Beatbox King. D'accord. Et Paul Teclé, donc, il m'avait découvert, il avait trouvé Walter Taïeb, parce que Paul Teclé, à l'époque, c'était un peu comme Jean Rock, ou quelqu'un qui connaissait le monde de la nuit, etc. Il a demandé Walter Taïeb de me faire un tube. Et c'est comme ça que je suis finalement remplacée, enfin j'ai pris la place de Roselyne Clark. J'ai eu plus de succès, en plus, je parlais le français, c'était plus. Alors il a abandonné Roselyne ? Comment ça s'est passé ? Quelque part, oui. Il a vu que j'avais plus de succès, il a commencé à créer de la musique pour moi. Alors justement, le succès, il a duré, parce que ça ne s'arrête pas à trois tubes. Hein. Il y en a eu ensuite durant les années 90 et puis dans les années 2000. Tu es revenu, mais tu as même chanté en français. Oui, c'est vrai. Avec Frédéric Lerner. Et même, oui, besoin tout à fait, vous. Besoin, ça c'était dans un autre style. Mm-hmm. Et après, c'était les tragédies qui bien m'avaient sûr. Écrit Oublie-moi. Voilà, il y a eu Sois beau et tais-toi. Oui. Voilà, en 2006. C'était 2007. 2007, d'accord. Et puis trois ans après, un album, c'est le dernier album d'Indra. Donc, qui n'a pas eu vraiment de succès, j'ai enregistré en Suède. Mm-hmm. Trop anglo-saxon, mais bon, c'était un plaisir quand même. Moi, je trouvais plutôt bien. Réussi visuellement aussi. Très beau graphisme. Je suis d'accord. Et puis le théâtre. Et le théâtre, donc, j'ai commencé au théâtre parce que c'est comme ça, tu vois qu'il a moins de succès, on aime bien le métier artistique. La scène, je jouais au théâtre bien aussi. Sûr. Et là, on revient à la musique, par contre.
Et là, parce qu'on va présenter le nouveau single. Là, hein. Et voilà, donc... Pour vous, rien que pour vous, en exclu sur Mélodie. It's on you, en plus, ouais, ça va vous dire quelque chose, parce que c'est une reprise des années 90. Yeah. MC Star, alors pourquoi, d'ailleurs, cette chanson? Parce que j'aime bien le rap. J'avais commencé avec le rap à l'époque. Mm-hmm. Et puis, j'ai un peu abandonné, parce qu'il fallait plus chanter, et puis voilà. Et j'ai trouvé ce titre superbe. Je sentais les mots dans ma bouche. Gros tube, je sentais, hein, aussi, ouais, 1990. Ouais. Tout à fait, exactement. Voilà, MC Sar. Et alors, ça ne va pas s'arrêter là, je crois qu'il y a d'autres projets aussi. Il y a d'autres projets dans la musique dans, ouais. Oui, oui, non, je ne veux pas trop en parler, peut-être album, peut-être d'autres titres des années 90. On ne sait jamais sûr, voilà. Mm-hmm. Mais par contre, là, j'enregistre aussi deux chansons avec Bruno Pozzolo, l'acteur, mais c'est complètement dans un autre registre. Ça va être plutôt Gainsbourg, Adjani. Chansons, donc, quoi. Plus, oui, plus, oui. Chansons. Ce que tu avais fait aussi avec, effectivement, Frédéric Lerner. Ouais. Oui, 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 oui. Et oui. Ça, c'est encore... complètement autre chose. Bah, tu viendras nous en reparler éventuellement. On va avec regarder plaisir. De toute façon. It's on you. On se souvient de cette chanson par MC Sar. Et là, eh ben, on découvre Indra. Regardez. Jack Hustle, shake your booty, flex your muscles, everybody shake your body. It's MC's house, hip hop party. Crash, like the brother with a mic in my hand. Let's cut and thump into the jam. Like the bro from the blue, I'm breaking too. It's on you. C'est un clip, c'est quoi cette chanson? C'est un single, oui. Tes yeux de braise. Vous pouvez trouver sur YouTube aussi. Eh ben oui, 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 il faut se connecter. Ah oui, il faut connecter bien tout de suite sûr. Parce que ça aide énormément l'association. Il faut trouver des dons, il faut bien trouver sûr. Des fonds, il faut pour la recherche, voilà. Oui. C'est une maladie orpheline, donc comme beaucoup de maladies orphelines, ils ont beaucoup plus de mal à avoir des subventions pour l'aide. Et alors, à cette occasion, dans cette association, j'ai rencontré aussi un jeune chanteur qui va sortir son album pour la rentrée, qui s'appelle David Stéphane. Oui. Et nous, on a fait une chanson un peu tendance, Mariage pour tous. Oui, d'accord. Donc là aussi, voilà, vous pouvez le trouver sur YouTube. Ah, donc déjà bientôt. Un clip Bientôt, oui. Ah, en septembre. Donc là, on trouve la chanson et puis on va trouver le clip dans quelques semaines. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Oh, quelques jours. Quelques jours. Semaines, oui, on va dire ça. Ouais. Cet automne, en tout cas. Comment? Cet automne. Voilà, voilà, voilà. Mais l'actu est très chargée, je ne pensais pas avoir autant de choses à communiquer en t'accueillant sur mon plateau. Moi, j'étais en train d'oublier des choses importantes. L'association, c'est important en plus pour moi. Indra, une femme active. Ah, oui, oui. Complètement. Et très plus rock and roll. Et plus, voilà, le sport. Hein, j'aurais dû mettre mon pantalon de cuir ou ma petite veste aussi. Hein. Mais oui. Quel dommage. Bon, une prochaine fois. Une prochaine fois. En tout cas, ravi de t'avoir reçu ici. Je pense que ça a fait bien plaisir aussi aux téléspectateurs qui t'ont sollicité. On se fait merci. La bise, hein, ah bah. Et puis on se revoit bientôt. À bientôt. Dans Mélodie 90, et on vous embrasse aussi. À la semaine prochaine. Tchuss. Ciao. Tchuss.